les mecs, on a les résultats pour fêter ce nom impressionnant. 5, c'est le début de la gloire. Voilà. Rendez-vous ce soir sur le toit. Habillez-vous classe. Bonne nuit. C'est quoi ces conneries? Mais putain, c'est qui ce mec? Emmerich. 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 On peut pas non plus prendre avec nous. Non, mais je reste tranquille. Vous êtes tous des grands malades, vous savez ça? Qu'est-ce que tu nous fais là? Maintenant je me tire, et me suivez pas. C'est gare demain 15h. Allez jeune, foulez la cam. Bon, pour qui tu travailles? Vous savez parfaitement pour qui je travaille. Ouais, allô? On l'a votre cam. Très bien, le marché tient toujours. Quoi? Quel marché? La marchandise contre votre ami. Attends, attendez, Emmerich? Vous avez notre ami? Ces mecs au téléphone. Eh ben, ils veulent la cam de ce mec. Les mecs, c'est normal qu'ils bougent plus et qu'ils respirent plus. On va tous mourir. Je vais te tuer! Ah bon, maintenant tout le monde va se calmer. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Il est où votre boss? Voilà, on doit être dans le jardin. Très bien, on est parti. Je vous attendais, les scientists. Bordel, c'est qui ce gars? Emmerich! Emmerich! Bon, la cam, vous l'avez? Eh hey, les mecs, matez ça, et moi qui ai un bon pirate, ah, excellent! T'es vivant, et t'as pas l'air d'être mal en plus! Moi je suis là, et... C'est Emmerich! C'est lui notre ami qui a disparu! Ah oui. Bon, vous allez la fermer? Elle est où la cam? Emmerich, tu le fais quoi là? Les mecs, jouez pas au héros, filez-leur la cam et on pourra tous rentrer chez nous! Emmerich, on l'a pas cette putain de cam! Alors tu viens avec nous et on se tire! Non mais les mecs, qu'est-ce que vous me faites là? Ils vont nous tuer si on leur donne pas cette putain de cam! C'est quoi cette histoire, Emmerich? Je vous promets de tout vous raconter. Si vous me débarrasserez de ces gars-là, ça va pouvoir s'arranger. Restez en arrière. Faut qu'on se tire en vitesse! Vite, prends ses pieds! Et faites attention à sa tête! Mais laissez-le, on se tire! On peut pas le laisser là, c'est un putain d'agent secret! Alors, dépêchez-vous! Emmerich, qu'est-ce qui se passe? J'attends des explications. Écoutez, c'est une longue histoire. Elle commence il y a 5 milliards d'années quand la Terre est un tas de poussière. Bon, saute cette partie, va tout de suite au moment où tu disparais.
Bah, ce matin, quand je me suis réveillé, j'étais dans la rue, par terre, il y avait du vomi partout, du sang, j'étais fatigué, je me sentais pas bien, j'arrivais pas à tenir debout. Ouais, t'avais la gueule de bois. C'est fréquent après une cuite, hein. Puis y a des types, bizarres, ils sont venus, ils avaient des cagoules, ils m'ont enlevé, et ils m'ont placé à la tête de ce cartel. De trafiquants de drogue. De drogue? Mais non, on vend des patates. C'est une blague. Non mais moi là, je comprends plus rien. Emmerich, c'est un genre de kebab. Mais non, vendre la drogue, c'est trop risqué, et puis à la campagne, personne n'en achète. Alors que les patates, ça se vend comme des petits pains. On a failli se faire descendre pour des patates! C'est plus compliqué que ça, mais en gros, oui. Tu peux continuer ton explication? Bon, moi non plus, je comprends pas tout, mais en gros, hier, on a fondé un cartel de trafiquants de patates que je dirige. Ah, bordel. On peut m'expliquer? Je comprends toujours pas. Emmerich, il vend des patates droguées aux petits pains? Le mec à Angela, il est agent secret et il est aussi à ta recherche. Oh les mecs, vous m'avez balancé au flic. Mais non, c'est un putain d'agent secret. On s'est retrouvé chez lui ce matin et... Je comprends rien à ce qui arrive. Bon les mecs, vous inquiétez pas, j'ai un plan. On sait pas où est cette putain de cam. Et Corentin, tu es le seul capable de dire où est-ce qu'elle était. Ah, mais moi je sais où elle est, ce qu'elle est. Sérieux? Mais bien sûr, je sais où elle est, c'est ma commande. En gros, je me dis que si dès le début, on t'avait dit qu'on savait pas où est-ce qu'elle était, t'aurais pu nous le dire, et donc on aurait pas eu toute cette histoire. En gros, oui. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suggère déjà de se barrer de la ville. Seulement, on avait cette putain de cam. Bon, je crois que j'ai un plan. C'est une mauvaise idée. Mais non, t'inquiète, ça a marché. On est d'accord qu'on parle de Corentin, les mecs. Le mec qui pense qu'on pêche les poissons panés comme ça dans la mer. Mais c'est bon, vous inquiétez pas, il est tellement con que je suis sûr qu'il se faisait tuer, il oublierait de mourir. Et que vous êtes pessimiste. Mot de passe. Chaussettes. C'est pas ça. Mon joie Saint-Denis, que trépasse si je fais mes... Ah, c'est bon les mecs, vous pouvez venir. Par contre, faites gaffe, hein, vous... Vous viendrez pas sur les cadavres. Moi aussi. Alors comme ça, nous sommes deux à vous attendre. Certes. Fou, ça fait de la chance. J'ai fait des cookies. Ils sont encore chauds. Thomas, que vous soyez fiché. Oh mon dieu, il a tiré sur un mec. Oh mon dieu, il a raté. Putain, le Parkinson. Police. Putain de merde. T'es pas allemand toi? Non non, je prends juste des accents, ça fait plus méchant. Ah. Les mains sur la tête. Les mains sur les hanches. Les mains sur les fesses. Demi-tour droite. Eh hey, ma carena. Pourquoi tu fais ça? Bah je sais pas, c'est drôle. Bon, t'arrêtes? Ah c'est bon, si on a même plus le droit de rigoler aussi, à quoi ça sert cher flic? Je crois que nous sommes dans une impasse. Regardons qui se cache derrière tout ça. Putain, mais encore un Bob? Putain, il a combien de frères lui? Trop. Bon. Racontez-moi tout. Eh bien. Tout a commencé il y a 2 jours. Attendez. On vient de perdre un agent. Et comme vous venez de démonter le garde du corps brillamment, je me dis que vous pourriez potentiellement entrer chez les experts. Est-ce que un job, ça vous dirait? En tant qu'agent secret, ce sera nourri, logé, payé aux frais de l'agence et tout. Vous savez, je suis un homme très occupé, mais
peut-être que je pourrais me libérer un mardi sur deux, je pense. 2 sur 3, allez, 2 sur 3 c'est fini. Non, 1 sur 2. Alors, 2 sur 3, mais je vous offre un kebab. Il y a un kebab, d'accord. Vendu. Eh, j'ai un kebab. Et au fait, ça te va bien de Bordeaux, Emmerich? Ah, tu trouves? Ouais. Ah bah c'est gentil, hein, parce que ce matin, quand je me suis réveillé, j'avais mal à l'œil, donc j'ai décidé de mettre ça, le temps que je voie ce que j'ai. Tu veux voir? Bah vas-y, hein, moi je peux plus. Vas-y, approche-toi. T'inquiète pas, Emmerich, on va aller voir un médecin. Mais qu'est-ce qu'il y a? Non, mais rien. Non, c'est juste un peu rouge là. Enfin, ah bah, nettoyer tout ça. C'est rien alors. Ouais. Tant que je l'ai pas perdu, ça va. Non, ce serait con que t'aies perdu ton nez. Non, ce serait ridicule. Hey. Hey les mecs. Hey GoldenEye, ça va mon grand? Ah GoldenEye, hey. J'ai saisi la référence. C'est parce que je vais devenir chanteur, c'est ça? Agent secret. Quentin, tu vas devenir agent secret. C'est quoi le rapport avec la chanson? Mais quelle chanson? Mais si, vous savez, GoldenEye a found his weakness. GoldenEye, he'll do what I please. C'est Tina Turner qui chante, je crois. Ah mais, on te parle du film, GoldenEye, le film. Ah, ils ont fait un film sur la chanson, c'est ça? Mais non, GoldenEye, c'est le film. Et la chanson dont tu parles, c'est celle du film. Mais quel est le rapport avec le fait que je vais devenir agent secret, du coup? C'est un James Bond. Mais c'est qui ce James Bond? Il me dit un truc, mais... Je le connais, enfin c'est un de nos amis ou... Laisse tomber. Allez mec, vous m'avez manqué. Agentin au Tibet, dépêchez-vous. Agentin au Tibet? Oui, non, c'est parce qu'en fait ils m'ont demandé de choisir un nom d'agent secret. Pourquoi t'es au Tibet? Tu aurais pu choisir un truc de plus classe quand même. T'es en Amérique? Ou t'es au Congo? Bon. Tu voulais pas nous dire quelque chose? Enfin bref, les mecs, j'ai un truc à vous montrer, c'est déjanté. Qu'est-ce que c'est? Regardez ce que j'ai trouvé sur mon portable. C'est quoi? Bah, les photos qu'on a prises hier soir. Tu déconnes? Moi, je pense qu'on devrait les effacer. Non mais vous êtes dingue. Moi je veux savoir ce qui arrive à mon œil, pourquoi il est rouge et pourquoi je peux plus rien avoir avec. Ouais, y'a hein. En plus, il y a plein de trucs assez déjantés, c'est vraiment... Bon, on les regarde une fois et on les imprime. On les efface. Ok, on les effacera après. D'accord. Oh putain! Oh putain! Mais lui, tu fais quoi mon œil là? C'est putain! Right around.
Thank you.